ou des branches. Alors, avec bouge des... plus, stop, arrête-toi. Ah oui, t'es derrière moi. Ah oui, d'accord, ok. J'étais trop loin, en fait. Ouais, c'est ça. Allez me le dire que j'avais été trop loin. J'arrive. Attendez, si t'étais sur la route, tu me dis oui. Moi, je croyais qu'on allait se croiser. Ouais, bah, sur la route, sur le chemin, j'ai dit. D'accord. Banco ou un pou? Je souhaite banco parce que 100k euros. Non, merci. Je comprends. Ça va, Rasta? T'as pas suivi le banco un pou avec Roro, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Je me suis bouffé que des impôts, moi. Demande à la BZH, là, et... Ouais, je confirme. Et à nos amis bretons. J'ai pris assez d'impôts dans la gueule. Avec la mafia bretonne. Non, je t'avoue que je suis un peu en retard sur le... Ouais, je me doute. Bah, en fait, si tu veux, on avait le concept avec Roro, donc chacun notre ferme. Les budgets, c'est géré par les... Ouais, je sais. Les budgets sont gérés par nos amis... Nos amis, les viewers. Donc il y a les points de chaîne qui servent avec les prédits là que voilà qui sont en train de s'échanger les points de chaîne entre guillemets quoi. Du coup il y en a qui sont pleins, ils peuvent me mettre 10k, 50k, 100k. Et on a la barre sub, bits et dons en impôts et banco. Et c'est le seul avantage que tu peux choisir en fait. Alors réparer. Et on va dire qu'il y en a qui sont fait plaisir. Il y a notre ami BZH qui m'a éclaté la gueule et qui a racheté la schizo industrie du coup. Ah, merci pour mon réservoir. T'as besoin du plein, je pense. C'est ça? Bah oui, en échange. Ah, je sais pas. Attends, je me fais le plein à moi. Ah, tiens. Cadeau. Merci. Pas rien. Merci pour la réparation. Je vais d'abord finir de retourner FS22 dans tous les sens. Ouais, t'as bien raison. Bon, après, il est vite fait de retourner dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec... Je peux passer par où, là? Le camion, il est où? Le mien, il est là. Putain, il faut que je revienne quasiment... Alors... Ah, je peux aller là. Hop. Je sais pas, c'est ici. Là, c'est absolument à gauche, là. Là, c'est absolument à droite. Hop. Ici. Ouais, après, je suis la route, hein. Normalement, c'est bon. Ouais, je peux suivre la route, c'est bon. Oui. Oui, ma petite Lambella, bouge pas, je le fais, regarde. Hop, on va faire ça. J'ai mis le frein à main, mais il continue à descendre tellement qu'il est lourd, lui. Freine, bon Dieu. Voilà. Bonsoir YouTube, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Twitch, j'espère que vous allez tous bien. On est sur SnowRunner, difficulté augmentée, on est en nouvelle partie plus, mais en difficile plus. Du coup on a vite fait d'abîmer les camions, un peu comme vous avez vu au dernier épisode. Et moi je suis parti dépanner mon Taiga qui est tombé en panne d'essence, je suis avec Yoshi, Korenos et Aurel en vocal avec nous. Salut. Salut. Hello. Et du coup je suis parti aller dépanner mon deuxième Taiga, voilà. Le gros bébé là-haut. Enfin, du moins, essayer, parce qu'il m'arrive que des péripéties. Hein. Entre me retourner, crever les pneus, pas prendre la bonne route, tu vois. Il m'arrive que des conneries. Je fais de la merde ce soir. Il va dépanner un camion, mais il se fait dépanner. C'est ça. Je vais dépanner un camion, mais je me fais dépanner deux fois sur la route avant. Mets-toi un chrono, je vais y aller. Pas de soucis, Lambella, des bisous. Tu touches ça, des bises. C'est fait le chrono, c'est bon. Hop là. J'ai créé un vocal, tu peux me récup? T'as créé un vocal? Qui dit, Manu? Alors moi je te vois pas. Il s'est mis dans un canal. Ah, je te vois, ouais. Ah putain, je sais pourquoi tu peux pas rentrer. Ah bah si, non? Alors, d'accord. Attends, je vais te mouver, tu t'inquiètes pas. Je te fais passer par mon bureau vite fait. Hop, bouge pas, t'inquiète pas. Hop, je te fais passer par le chat de la Svita. Le gars va dire, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Pourquoi il me move dans tous les sens? Qu'est-ce qu'il fume le schizo? Et bonjour Manu. Salut Manu. Comment tu vas? Ça va, c'est bon. Bienvenue parmi nous et Manu qui nous rejoint du coup. Bon, est-ce que je prends... Oui, c'est à droite là. Je prends la bonne route. Non, c'est droit. Non, c'est à droite. Me trompe pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois aller dépanner mon Taiga qui est en bas là. J'ai plus de gasoil dans le Taiga qui est tout en bas de la carte. Quel Taiga? Le Taiga 95B là, je sais plus quoi là. Ah d'accord. C'est lui qui est tout en bas de la carte qui est à poil, tu sais. Level combien là-bas? 24. Je sais pas si je... Pas 23 sans le truc. Hop là.
coup, je vais aller chercher les planches de bois, mais comment te dire que les planches de bois, ça fait une heure que j'essaye d'aller chercher ces planches de bois. Malheureusement, c'est devenu un peu compliqué. Oh, les cailloux qu'il n'y a pas ici! Oh là là! Dam. Allez, je pète combien de pneus? Je pète combien de réservoirs? Ça va se passer comment? J'ai pas de pneus, moi, de recharge un machelier. Hein. Oh, mais c'est bon. Je roule sur la jante, moi. Ça roule pareil, tu sais. Tac, je continue tout droit, c'est bon, c'est la bonne route. C'est celle-là, hein? Ah, non, c'est pas celle-là. Sortie de remorque de réparation. Ah, non, si, continue. Ah, c'est cool. C'est cool, ça. Qui vote pour les suspensions qui pètent? Pourtant, je les ai réparées, hein. Ouais, il m'a tout réparé. Réservoir, suspension, c'est neuf. Après, t'as un centre de réparation sur la route. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais je crois que c'est juste pour te rajouter les modules de réparation parce que c'est en difficile. Non, t'as un centre de service. C'est vraiment un centre de réparation? Tu peux réparer ton camion? Ok, d'accord. Bah, je regarderai, je passerai. C'est un centre de service, donc je pense qu'en quoi tu peux réparer. Je crois que c'est juste les recharges de modules de réparation, justement. Parce qu'en difficile, tu peux pas les charger dans le garage. Faut que t'ailles dans des centres de service comme ça. Oui, tu revends le module et tu le rachètes. Enfin, tu le désélectionnes. Non, t'as qu'à survoler le module en fait. C'est tout. Ouais, tu le sélectionnes et tu le désélectionnes, non? Pas ça? Non, avec ta souris, tu survoles juste le truc. Oh putain. Ça refoule le module à bloc. Ah, impeccable. Bah, tu vois, je croyais qu'il fallait le désélectionner, le resélectionner. Non. C'est ce que je faisais pas à chaque fois. De déséquiper, d'équiper. Juste survoler la souris dessus, c'est bon. Nice. Aïe. Ouh. J'ai vu le cul de la citerne qui voulait dire merde. Bah regarde l'émission qui t'intéresse, moi je suis sur Liaison Montante. Je sais pas sur quoi il est Korenos et Yoshi encore moins. Ah, sur ce que tu voulais dès le début, en fait. Réparer la plateforme pétrolière. Ok. Fossile radioactif pour ouais, notre ami Korenos. Plateforme pétrolière. C'est bon. Je fais tous les trucs sismiques là que vous voulez pas faire. Ouais, j'étais pas chaud à faire du sismique, moi. C'est déjà voilà, donc je vais le faire. Pas de problème. Aïe, et un moteur à 20, hein. Ça va bien se passer. C'est toujours la bonne route? Oui, c'est toujours la bonne route. Et on continue après la route tout droit, ouais, c'est ça. On va y arriver, hein, on va y arriver, les enfants. C'est vrai, tu veux pas modifier le temps, là? Modifier le temps, non. Non, mais normalement, la journée dure deux fois plus que la nuit. Normalement. Allez, un pneu, une suspate. Oh, de l'argent, 13 000 euros, merci beaucoup. Ça y est, je suis plus en négatif, impeccable. Je savais même pas que dans SnowRunner, on pouvait se mettre en négatif. Il y a que moi pour arriver à tester des trucs comme ça. Il y a que moi pour me mettre en négatif. Je te fais un transfert si tu veux. Ah ouais, je veux bien, vas-y. La banque à Manu. Je te fais un petit prêt, y a pas de problème, je suis preneur. Manu le banquier. Hop là. Et sur la droite. Et sur notre gauche. C'est tout droit. C'est sur notre droite. On continue. Ah, je vais caler. Voilà. Et bon, c'est reparti. Et dire que j'ai pas fini la route en plus. Hein. Il y a un taf de taré derrière. Faut que j'aille sur Faye. Faye, apparemment, il y a encore un camion à récupérer. D'après ce qu'on m'a dit. Aïe. Hop là. Il y a plein de camions à récupérer. Hein. Oui, de toute façon, la Russie, c'est l'épave des camions, hein. Il y en a un paquet. Hein. Le cimetière des camions, c'est bien ça. Hein. Non, ça c'était moi tout à l'heure quand j'arrêtais pas de me retourner avec le truc. Ouais, sur l'ancienne map. C'est ça. Et il est où mon camion là? Il est pas encore là, là. Il devrait pas être loin. Là. Le jeu en solo doit être une prise de tête? Non, pas vraiment. Non. Si t'es pas bourrin comme moi, ça va. T'as pas besoin d'assistance souvent, ça va. Ça dépend quelle carte. On va dire que t'as des cartes en multi et bien plus cool quand même que en solo. Oui. Après le multi, tu peux laisser la partie en ouvert à public et y a du monde qui vient jouer avec toi. C'est cool franchement. Seul problème, c'est que... Tu sais pas ce que font les mecs, mais ils t'aident. Ouais, en temps normal, ça se passe bien. Moi j'ai jamais vu un multi qui... J'ai jamais vu un multi qui était dégueulasse, hein, franchement. Et moi j'ai eu toujours eu de la chance de tomber sur une multi propre. Après, il faut juste peut-être te méfier sur la dernière carte parce que les ressources sont limitées. Ouais, Ontario, ouais, c'est un peu dangereux. Après, dans le jeu, tu peux. Dans le Discord, tu vas dans le Discord à Schizo ou dans le mien, vous demandez de l'aide. Ouais, même dans celui de SnowRunner, il y a un SnowRunner FR. Ouais, il y a un SnowRunner FR aussi, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bien vu. Bien vu, c'est vrai. On viendra aider, mais c'est ça, quand on va avec le vocal. Pour venir aider les viewers.
Les viewers. Changer. Tiger. Sioftive, en fait. C'est ça. Non, ça va, je joue solo, ça passe. Nice, Bambi, nice. Après, faut pas hésiter. Bah, de quoi, Schizo, maintenant? Comme mission. Là, je suis sur liaison montante. Il me faut les planches de bois x2 que je ramène sur la carte Fey. Et je crois que si je revérifie. Liaison montante, c'est le troisième. J'ai 5 places, donc je peux faire ce que tu veux. Ah bah, si tu veux, tu peux prendre du coup liaison montante et tu fais les 4 qui vont sur Fey. Hein. Ah bah non, tu pourras pas. Il faut 2 poutres en métal à la station de base, là où je vais livrer. Liaison montante. Toujours pareil, je peux prendre les 2 planches en bois et toi tu peux prendre les 2. Les 2 autres en fait. Les 2 poutres, ouais. C'est des verrouillés, une amélioration là, prendre en. Fatra 805 et un petit X, je crois. Merci beaucoup. Faille, tu peux aller. Ah, Faye, ouais, de l'autre côté. Ouais. Tadam tam, tadam tam. C'est à droite là. Quoique, oui, oui on peut couper à droite. T'as besoin de poutres de métal, Schizo, pour ta mission, après. Bah, si s'il l'a fait Korenos, non. Parce que Korenos, il est en plateau 5 places, donc. Ouais. Il va peut-être pouvoir prendre les 2 d'un coup. Oui, oui, bah oui, c'est 2 places. Ouais, c'est 2 places, oui, de toute façon. Oui, tu pourras prendre les 2 d'un coup. Et moi, je vais prendre les planches en bois, là, je suis bientôt arrivé à la Syrie, là. Donc, à part s'il y a une mission à accepter que j'aurais pas accepté, mais. On peut passer à la suite. Arrête, on sait comment ça s'appelle. Rénovation de l'entrepôt, parce que je peux pas l'activer. D'accord, ok. Alors, rénovation de l'entrepôt. Premier onglet, deuxième onglet non. Ah, je peux pas, je peux pas, je peux pas le débloquer non plus, il faut terminer. Faut terminer. Je sais pas quoi d'ailleurs. Pourquoi il me dit terminer la rénovation? Non, c'est. Ah, c'est celui-là. Ah oui, non, pardon, autant pour moi. Vas-y, c'est bon. C'est tout bon. Dalle de béton et carburant foin. Va, va. C'est jouable. En plus, un entrepôt, ça donnera un nouveau lieu de. Ouais, un nouveau lieu de stock. Putain, il est où ma mission? Je l'ai perdu. C'est comment que j'ai dit qu'elle s'appelait la mission de tout à l'heure? Liaison montante. Ah, liaison montante, elle est là. Hop. Liaison fatale. Mais liaison fatale. Les poutres, tu les as déjà livrées, non? Non, non, je pense pas. Ah, alors, elles vont venir après, alors. Elles vont venir après, ouais, elles sont en étape, ouais, normalement. Dès que tu vas livrer tes planches, ça. Ouais. Les poutres. Moi, je vais prendre les 2 planches de bois. Et encore 2 planches. Les planches, c'est pas des. Non, c'est des 1 slot, les planches. C'est des normales, ouais. Ouais, c'est les longues planches qui sont en 2 slots. Les longues planches, non, ils sont à 4. Et à 4, les longues planches. Ils sont à 2. Ah oui, possible. Possible, possible. Ouais, bah, t'as planche de bois, planche moyenne et grande planche. Tu sais où les récupérer, les poutres, du coup? Oui, oui. Ok, nice. J'ai okay. Une grosse dans mon slip. Une poutre? Elle est pas en métal celle-là, sinon tu dois faire mal à madame. Hein, hein. Tu dois avoir des problèmes aussi. Oh, ça se croise. Bonsoir Yoshi. Oh, mais si. Pourquoi hein. Faut que je teste si j'aime pas. T'as pas fini encore ta mission sismique là? Je te vois te promener encore si, avec si, quelqu'un. Mais j'en fais une autre. D'accord, ok. Attends, ouais, ouais, bah fais-les les sismiques tant que t'es avec le module. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Tant que t'as le module, vas-y, éclate-les. Éclate-toi, amuse-toi. Moi aussi je m'amuse. Alors, ah, il y a la route juste au-dessus là. J'avais pas vu qu'il y avait la route juste au-dessus. Tu vois. Je sais pas si on peut la rejoindre mais. Ouais. Étape terminée. Nice. Étape terminée. Là il faut une cargaison surdimensionnée. Ah, c'est ma prochaine ça. C'est ma. C'est l'argent. C'est ma prochaine, ouais, mais le problème c'est que mon camion il est pas là. Ou sinon, il faut qu'il y en ait un qui me sorte un camion qui est pas dégueulasse, quoi. Un camion qui tire. Azov, si tu peux. Non, je prendrais pas l'Azov pour tirer une cargaison surdimensionnée en. Voilà. En attelage haut. Non. Oh non, ça m'intéresse pas, franchement. Attends. Je préfère un western ou une connerie comme ça. Ah, ok. Non. Un camion à châssis court, si tu préfères. Un camion avec un châssis court. Mais c'est de l'entron, non. Des camions spécial remorque, quoi. Ah ouais, pas non. Des, pas non, des plateaux longs, quoi. Je préfère quand même que ça soit articulé entre. Ah parce ouais que c'était trop long. Ah oui. Ouais, bon, spécial. Comment tu vas passer des virages tech avec ton machin ouais, ça passe. Ou sinon, bah tu prends un châssis court, tu prends vraiment un tracteur, quoi. Ce que j'appelle un tracteur. Tu peux me valider ouais. Recherche géologique, s'il te plaît. Oui, je te le. Dans 10 secondes.
Laisse-moi 30 secondes. Hop. Ouais, bah, là, hop, je prends les planches. Je vais arrêter un moteur en attendant. Comme ça, ça sera. Du coup, alors attends. Tu m'as dit laquelle ? Recherche géologique. Il y a 3 points à faire. Recherche géologique. Ouais. Accepté. C'est bon. Merci. Ouais, désir mon tante. Oh putain, Faye, c'est par là qu'il faut passer là ? Non. Attends, c'est là qu'il faut passer avec Faye, là ? Faut passer dans ce tas de merde, là ? Les cailloux et tout, là ? Mais je passerai jamais avec mon truc, là. Y'a pas plus court ? Oui, tu passes. T'inquiète, tu passes. Je passe là-haut, là ? T'es oui. sûr ? Oui, oui, tu passes. Je suis déjà passé, là, en fait. C'est juste des plaques de rochers, en fait. Tu vas rouler dessus. D'accord. Bon, écoute, mais t'as largement la place pour passer avec n'importe quoi. Oui, oui. T'as quoi, en fait ? J'ai le taiga. Oui, oui, bah oui, ça passe avec le Taiga. Mais pas le nouveau, là, le DLC. Azo, là. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, je te fais confiance, on va essayer, on va voir. On va voir comment ça se passe, cette mission. Je suis sur les deux, mais toujours version CD pour la collection. D'accord. C'est chiant, les CD, ouais, un peu, quand même. J'avoue. Le problème, c'est les mises à jour quand t'es en CD. C'est un peu compliqué tout le temps, tu sais. Faye, donc non, attends. Tu peux pas le faire, les mises à jour en CD. Si, tu peux la faire, la mise à jour en CD, mais il faut passer à chaque fois par Giant avec ta clé CD. Non, non, il faut. Ton CD, il doit être gravé après, ouais, mais tu fais la mise à jour sur non, PC, en fait. Non, 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 CD normal. Par exemple, je te prends Farming Simulator 22 en CD. Merci pour le follow, merci Wakanda. Merci beaucoup. Pour pouvoir écrire des données sur un CD, il faut le graver. Non, mais en fait, c'est le logiciel que tu mets en. C'est ce que tu as installé que voilà, tu mets à jour. C'est pas le CD, quoi. Voilà. Ouais. C'est le logiciel interne. Je suis là pour dire coucou, je suis là. Lui, il est là juste pour booter le jeu, en fait. Non, et encore, mais il sert même pas grand-chose. Si vous avez des soucis, quand vous installez des mises à jour, il faut presser sur Shift et exécuter votre .exe. Et ça va ouvrir l'exécuteur en mode débugage, en fait. Vous aurez une option pour réparer les fichiers d'installation. Qui n'est pas d'office temps. Sinon, hein. Vous êtes pas bête et vous l'achetez sur Steam avec un code voilà. promo chez K4G et ça vous coûtera 15 balles le jeu. Hein. Et puis voilà, comme ça vous avez plus de problème. Pas cher. J'avoue que Giant en jeu comme ça, en CD, c'est, oh, mais, c'est la pire plateforme que je connais. Quoi. Les matchs sont automatiques. J'étais choqué bah, la fois où j'ai vu que tu avais payé le serveur. Ouais. T'as vu? premier jeu où pour ouvrir un serveur il te faut une nouvelle clé quoi. C'est le premier jeu et puis j'en ai joué à une bonne craquée de jeu. Ouais nous c'est aussi hein, on a fait une tonne de serveurs. Une clé à part pour pouvoir, en plus aussi les DLC tu dois tout acheter en fait. Ouais, tout acheter en double. C'est complètement stupide quoi. Ah je sais parce que nous on a... Bah la clé presse ça sert que pour les ça serveurs c'est en fait. Suisse, c'est juste une question de fric. Ouais. Ok, on est parti. Tout à fait ça. Oulé, oulé, c'est bon, ça passe. Bon, bah là, ça va être verdict, les enfants. Là, la prédiction, accrochez-vous à vos points de chaîne, les enfants. Je sais pas où on en est, d'ailleurs, dans la prédit, mais... Dites-moi s'il faut que je la lâche avant ou après, parce que là... Vous avez une chance sur deux, et même 10 chances sur 4 que je me retourne. Hein. Quand j'ai vu la gueule du passage... Est-ce que vous voulez que je lâche la prédit avant, les enfants, là? Parce que je voulais la lâche là et on remet une nouvelle. Ça va être intéressant. Là, comme ça, moi. Là, il y en a qui vont pas perdre trop de points, là. Sur console, tu peux toujours revendre le jeu s'il ne te fait pas les clés. Une fois activé, tu peux oublier de plus récupérer. Ouais. Ouais, et encore, ça se revend aussi. Pareil. Lâche la prédit à rembourser. Ouais, je vais lâcher la prédit. Attends. Attends, Aurel. Attends, j'arrive en haut, là. Je vais la lâcher la prédit. Bah attends, il y a peut-être l'Ambella, il y a peut-être pouvoir... Non, l'Ambella il est reparti là, il m'a dit qu'il partait. Il doit bosser demain matin. Hop là, on va lâcher la prédiction. Gérer les conditions, non c'est pas gérer les conditions d'utilisation, c'est gérer la prédiction. Choisir le résultat, je me couche dans les 30 minutes, non, terminer la prédiction. Voilà. Commencer une nouvelle prédiction, commencer, je me couche, oui ou non. Alors je vais la mettre plus courte hein. Je vais la mettre une minute, ça va être le temps que je roule ma clope. Les câbles. Voilà, on va se mettre comme ça vous voyez le beau camion, vous voyez rien, c'est moche. C'est pas grave. Ah. Sur console, tu peux... Oui. Alors, moi console, j'y joue plus.
On va dire que j'en ai deux à la maison. J'ai la Switch et la Xbox S. Franchement, la Switch, c'est le gamin qui joue à Mario avec. Moi, j'y joue de temps en temps, voilà, quand j'ai un jeu à vous montrer, mais sinon, c'est rare. Ouais, c'est bien pour les joueurs lambda. Ouais, voilà. Mais pas pour les joueurs vraiment qui jouent. Ah, quand t'as joué PC, c'est mort, quoi. Je veux dire, quand t'as goûté PC, tu sais ce que ça vaut PC, t'as pas envie. Goûté PC, ils ont arrêté les consoles. Hein. Mais carrément. Pour les vrais joueurs, en tout cas ceux qui jouent vraiment beaucoup, quoi. Pour ceux qui jouent. Ah, moi, j'étais un gros joueur. Top, toutes les licences Battlefield Call of avant le Battlefield 1, j'étais console. Donc vous voyez, tous les modernes combats, les machins comme ça, j'ai fait que console. Quand j'ai goûté PC... T'avais même la Kinect avec ta console, je crois. Ouais, j'avais la Kinect avec la console, ouais, carrément. Mes gamines, elles jouaient à Just Dance. Elles avaient kiffé ça, d'ailleurs. Et du coup, là, depuis que j'ai le PC, j'ai abandonné. J'avais pas une grosse config au départ, hein. J'avais une GTX 950, 970. Ah, pour pas beaucoup, hein. Avec un corps duo, si je me rappelle bien, elle y a encore la vidéo FAQ sur ma chaîne YouTube. Tapez FAQ schizofab et vous devrez trouver facilement le truc. Pour LOL, c'est à 1000 francs, donc francs suisses, ça suffit. Ouais, 970, tu vois, il y a Rasta qui confirme. Pas qui me suivait. 970, tu peux jouer à LOL, tu peux jouer à Farming, tu peux jouer à plein de trucs avec. Ouais, c'est une carte graphique qui date. Alors, j'ai refait les configs. Hein. J'ai refait les configs depuis, hein. Heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Oui, mais parce que toi t'es streamer et puis tu dois aussi fournir une bonne qualité d'image et puis t'as aussi un autre ordinateur à côté qui filme ton écran. Bah là oui, maintenant on est passé en PC double, mais c'est vrai qu'il y a une période c'était pas ça, non, et là de 2080 a commencé à ramer du cul. Hein. Commencé à ramer du cul en double stream avec qualité farming et tout, c'était compliqué. Voilà. Et là vu que j'avais pas mal de pièces de côté, ouais. Oui, il est pas violent mon ordi, hein, le deuxième. Hein. Saint-Michel. Vraiment pas violent. Putain, ça va pas passer là. Ah là là, ah mon dieu. Roulement de tambour, mesdames, messieurs. Je joue avec des Intel 6, quoi. 6ème génération. Oh, wow, j'ai eu peur. 6ème génération. Ah ouais, quand même. Ouais, 6ème génération. Ah ouais, c'est vénère, tu sais. Bah, moi j'avais ça avant, mais j'ai changé parce qu'il me saoulait. Il était ouais, on a changé quelques pièces. Tu m'étonnes qu'on a changé quelques pièces. Un peu beaucoup de pièces qu'on a changé. J'ai changé entièrement d'ailleurs. Ça fait 6 ans que je l'avais. Et bon, au début, il m'a bien dépanné. Hein. C'était le début de la chaîne YouTube, je faisais pas de stream avec, donc je faisais que de l'enregistrement et tout. C'était Fraps à l'époque, putain. Et là, maintenant, ouais, non, c'est beaucoup plus propre. Putain, mais je fous tout en l'air. Pour de l'enregistrement, il faut beaucoup moins de puissance que pour du stream, ouais. J'ai un setup double PC avec une 1080, ça allait bien. Ouais, franchement. Moi, c'est ce que j'ai. Voilà, j'ai une 2070 dedans parce que j'ai piqué celle de la femme. D'ailleurs, elle a une 1060, tu vois. Mais voilà, ça va bien. Ça va bien. La 1060, non, c'est pas... Non, la 1060 pour jouer pour elle. Et moi, j'ai pris la 2070 pour moi, pour stream. Je suis un bâtard, moi, je vais piquer le truc. Comment c'est live Elle devrait pas tarder, là. Elle va, dès qu'on lance le serveur Echo, normalement, elle devrait streamer. C'est prévu comme ça. Elle est pressée, d'ailleurs. Parce que tous les jours, elle me demande. Elle me dit, c'est quand que vous lancez Echo? C'est quand que vous lancez Echo? Quand que vous lancez Echo? Toujours pas bébé, toujours pas là, j'ai toujours pas sorti en français bébé. T'attends bébé, y'en a marre bébé. Echo ça arrive bébé. Y'a pas que Echo bébé. Voilà, elle est retournée sur Satisfactory, tu vois. Donc la bricole. Moi j'attends la dernière mage. Ouais, l'une des 8, ouais, moi aussi on attend et on rouvre une partie de 2-0. Ouais. On rouvre une carrière dessus, mais on aura pas de serveur, je serai en partie hébergé. Parce que les serveurs ils ont dit qu'ils les réparaient pas maintenant donc. Je suis pas pressé du coup. Oh, c'est du gasoil ça. Station service. Comment ça les serveurs? Ça fait plaisir. J'ai Portal qui a pas encore de serveur. Non, Coffee Stain. Satisfactory. Ils réparent pas les hébergés maintenant tout de suite. Ils se concentrent pas là-dessus. Ils voulaient se concentrer sur l'histoire. Et après ils font une mage de debug. Une Deep Nut normalement c'était une mage de debug. Ouais, parce que le coop ça suffit amplement actuellement. Bah le coop oui, mais moi quand on a tourné à 10, 12 sur Satis, sur le dernier serveur, ouais c'était, bah franchement c'était sympa. Hein. Bon, j'avoue que le jeu est pas adapté pour tourner à 10 sur le truc, surtout 10 experts, t'sais, 10 mecs qui connaissent le jeu, on l'a un peu éclaté quoi. Mais le jeu, dès que tu cherches trop de structure, il commence à ramer. Mais après on a planté le serveur. Correct, quoi. J'ai même BPG Portal qui m'ont passé en serveur beaucoup plus puissant. Ça a marché une semaine, hein. On a eu le temps de rebuild d'une semaine. Au bout d'une semaine, c'était la merde, quoi.
Oula, là c'était pas le bon plan là. Je suis en équilibre. Allô, Houston, on a un problème. Oh, ça vaut la miniature là. Non, je crois. Hein. Oh oui, voilà, hein. Oh, ça vaut la miniature là. Bougez pas, je fais la miniature. Jouer avec le mode Satisfactory Plus, c'est juste un enfer mental. Ouais, carrément. Ah ouais, non, mais t'es taré. T'as ta thème de te faire souffrir là. Ah bah c'est comme le Factorio Bob Angel. Ah ouais, non. C'est énervé. T'es. D'après vous, je passe là en fait, Ah bah non, je suis planté. Hein. Je suis planté. Ah. Tu essaies de tirer à l'arrière? Tu peux pas? Non, non, je veux pas tirer à l'arrière. Je veux bah, faire descendre. Je vais bientôt descendre. Passer sur la faille, moi. Je vais devoir aller. Ouais, mais là, je suis un peu loin de toi, je pense. Je vais essayer de le faire descendre un tout petit peu. Il faudrait qu'elle. Qu'elle grignote un peu, que je passe l'arbre de transmission et le réservoir. Et non, ça va pas aller, chef. Je peux avec ton cul sur l'arbre qui est à ta droite. Ouais, mais je vais basculer. Tourner ah oui, sur la droite. De l'autre côté. Là, le coup, c'était pas de basculer là, je voulais juste me faire descendre. Tu vois. C'était pas me faire tomber pour la prédit. Ça te tirera en bas. Ouais, je suis pas sûr. Là. Après, je pense plus que je vais me casser la gueule, mais je vais tester, vas-y. Y'a des chances. Si vous perdez les points de chaîne, les gars, c'est pas de ma faute. Hein. Oubliez d'avance. Plutôt que celui qui est à ta droite, il est plus près de toi. Hop. Ah ouais, comme ça. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah mon dieu. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. T'as rien à choper avec ton nez. Ah, oh, ça va descendre. Ça descend. Oh putain, ce nez du taïga de merde. C'est bon, ça passe. C'est bon, c'est passé. Impeccable. Nice. Non mais là, si tu regardes si tu regarderas le clip, juste un petit temps fort, hein, pour le passage. Reviens en arrière. C'est planté, mort derrière. Non, c'est bon, c'est passé. Et je repasserai pas par là. Hein. C'était un raccourci qui n'en était pas un, hein, comme tout dans SnowRunner, quand tu crois que c'est un raccourci et que en fait c'en est pas un. Et je referai le grand tour le prochain coup. Hein. Ce sera moins dangereux. Salut Tony, bon matin Québécois. C'est un raccourci selon les camions que tu as. Ouais, c'est ça. Et en cours. Voilà, bon, j'avoue qu'avec la config qui m'a filé, Fog, il est pas dégueulasse, dégueulasse le Taiga. Bah, tes pneus en fait, ils sont gros. Ça va un peu donc, mieux. Ouais. Moins facilement. Mais il est toujours pas ouf, hein. Il vaut pas l'ancien Taiga, quoi. Payer pour un Taiga qui marche moins fort que celui que tu payes pas, je trouve ça un peu dommage, quoi. Après, oui, tant qu'il a pas de remorque, en fait, il va bien, quoi. Après, on verra quand on aura mis une remorque ou un truc comme ça. 2800 heures de jeu dessus, je suis jalon 2 de l'ascenseur orbital. Ah ouais, tu fais quoi, là? Tu nous fais des bases de tarés, c'est pour ça que t'as 2800 heures. Truc de malade. Mais c'est vrai que le truc, il est hyper complexe. Comment il va, le patron? Bah, ça va bien, ça va bien. Bien énervé. Ça va plutôt pas mal. Et Rasta, tu reprends quand, les streams, là? Y a pas une OPKR qui redémarre, là? Elle redémarre pas. Oulé. Corenos est sur faille. Je suis sur le dossier. Ah. Ah voilà. Ouais, je suis enfin arrivé. Oui, je sais que c'est l'époque où en temps normal ça repart hein, gentiment. T'sais. Les streams ça arrive. Ah. C'est cool ça. City cool. Impeccable. On va revoir Laura Star. Je suis pas parti dans le bon sens. Je suis même pas parti dans le bon sens du tout en fait. J'ai coupé là, j'ai pris un raccourci maison quoi. Là. Voilà. Bisous. Ah j'avoue que le changement de boîte déjà il cale plus au démarrage. J'étais plus obligé de mettre la petite pour démarrer. Le Taiga est pas trop dégueulasse. Fini les installs des deux studios et le paramétrage du matos. Nice. Impeccable. Impeccable. Oh mais c'est trop bas. Gros projet alors. Ça va être intéressant ça. Je regarderai ça. Je regarderai ça de loin. Puis comme d'habitude, je ferai un petit clin d'œil au passage. Hop là. Enfin, nous avons livré. Oh putain, je suis content. Nous sommes arrivés après 1h30 de live à livrer nos planches. YouTube, on va se faire des bisous. Tchuss. Bonsoir. Et on se retrouvera pour une prochaine mission. Let's go.